La prière est une bénédiction qui se fait après l'appel à la prière musulmane et qui représente une connexion spirituelle entre les hommes et Dieu. Et ici, un miracle, une fleur découverte qui est en étroite liaison avec sujet. Leader TV l'explique dans ce reportage préparé à Azerbaïdjan. Adam est l'appel à la prière musulmane, partout dans le monde islamique. Le responsable de l'appel à la prière appelé, Muezzin, appelle à la prière les fidèles 5 fois chaque journée. Il a été prouvé que le son de l'Adam a un effet bénéfique sur les nerfs de l'homme. Toutefois, les personnes en Azerbaïdjan disent que l'Adam affecte également non seulement la psyché humaine mais aussi à la nature. Muhammad Rahim Eldarov recueille divers types de fleurs depuis 15 ans. Toutes ces fleurs ont chacune un caractère unique et présentent une diversité de couleurs et de pétales. Il dit que chaque fleur est spéciale pour lui. Ça ne fait aucune distinction entre eux. Autrement, je ne serais pas en mesure de recueillir. Mais ce qui est vraiment intéressant dans sa collection est une fleur appelée Adam Fleur, qui ne s'ouvre qu'au moment de l'appel à la prière, l'Adam. Lorsque vous entendez l'Adam depuis les mosquées locales, oui, nous sommes surpris par le phénomène extrêmement intéressant. Ce sont en effet des exemples de taille très miraculeuse qui prouvent la présence de la foi parmi nous, dans la nature. Et nous nous trouvons désassociés dans notre relation avec la nature, et ce n'est là qu'un exemple de ce fait. Ce rapport a été préparé spécialement par les dirigeants de l'Azerbaïdjan TV LACNEN. Je ne peux pas croire ce que je viens de voir, tout à fait surprenant. Oh mon Dieu, jamais rien de tel dans ma vie je n'ai vu. Au moment de l'appel à la prière du Maghreb, après le coucher du soleil. Venez vers le succès. Venez vers le succès. Allah est grand, Allah est grand. Il n'y a de Dieu qu'Allah. Au moment de l'appel à la prière du Isha, pendant la nuit. Venez pour la prière. Venez vers le succès. Venez vers le succès. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, désire-t-il une autre religion que celle d'Allah?